De cette émission et aussi de tous les temps, de tous les jours, Yagi, très mystique, toujours là. Merci pour tout. La présentation, Peter Tiani. Le sujet, il est connu, vous le savez, un seul aujourd'hui avec quatre invités. Vital Kamerhe vient découper de 15 ans de servitude pénale, 20 ans de travaux forcés, des comptes bloqués, le compte de Hamida Chatur, Madame Kamerhe, de Daniel Changalomedi Massaro et de Soraya Mpiana, ajouté à cela des livrets parcellaires qui devraient être retenus par l'État de toutes les maisons qui étaient d'ailleurs citées dans ce procès. La question enfle dans les réseaux sociaux et suscite beaucoup de réactions au sein du microcosme sociopolitique congolais. Les chevaliers de la plume sur ce plateau qui vont décortiquer de fond en comble à ce sujet. Éventuellement, la fin, hein, peut-être un mot. Le pain est passé de 200 à 300 francs congolais. Le pain qu'on appelle communément kanga journée. Je ne peux pas me passer de ça. Ils doivent ici nous dire ce qu'ils en pensent. Parce que la finalité de l'action politique, c'est le bien-être social. D'où Jésus Bélidou, bonjour et bienvenue. Bonjour Peter Thierry, merci de l'invitation. À chaque fois que je suis invité ici, j'ai vraiment un sentiment de joie et de bonheur parce que je retrouve ma maison. Très bien. Je salue en passant la grande équipe technique, Guy, directeur de programme Maurice Chicanou, Frédéric Kipimo et tous mes confrères et consoeurs de Congo. D'accord. Il est avec nous, deux fois il veut m'éviter. Hein. Mais bon, il est avec nous même. Bonjour. Bonjour Peter Tiani. Comment tu vas? Très mal, comme la République. Je suis lié à la République, je vais très mal parce que le pain vient d'augmenter, dégradation du cadre macroéconomique, dépréciation des francs congolais. Mais j'ai vu le président dans un marché à foire internationale comme si indifférent à la souffrance des peuples congolais. D'accord. Edouard Isoba, bonjour, bienvenue. Merci de l'invitation, Peter Tiani. Enfin, Yves Bouya, bonjour, bienvenue. Bonjour Peter, bonjour à Edmond, à Wemba Eric, à Bélédou, et encore merci de l'invitation. Avant de parler du procès Kamerhe, un mot, le pain passe de 200 à 300 francs. Je parle du pain parce que c'est vraiment les basiques dans un pays. Dans un pays, c'est le manger qui n'a pas de problème. Dans le pays au Rwanda ici, c'est le manger, c'est le vêtement, c'est l'éducation et même le déplacement. C'est des besoins basiques qu'il faut dépasser, mais dans notre pays, on pense, on ouvre avec ça d'abord. Notre nom, la lingala. Nabamboka ou msus ma voisin abiswa kolia balekango déjà kolia kolata déplacement même éducation mais namboka nabiso tous allons à niveau ya ozola la ozo batel lobby au kolia nini mais l'ipo va bien ka kanga journée ils avaient qui 200 francs et commis 300 francs bouyo lobby et lobby que netio lobby na lingala ngai pe mission esa bilingue normalement lingala et na côté na moi français en quelques minutes. Les alliés républiques, au moins on l'obara toujours que depuis que Félix a suivi Bokondio, tout le monde a coalition, isolé, coalition Moko, vous en avez pour deux minutes, hein? Bonheur, il y a ma Congolais. Donc, la coalition Moko, Oyo déjà, dans l'avènement, dans le Koyan, de Félix Tshisekedi dans Mouto Mboka, et c'est ça qui est espoir. Mais, ma monnaie était que, coalition Oyaïna Ndeko Kabila, ils allient coalition Oyoyo, ils ont des peuples congolais. À la place, va travailler, va sala pour un bon moi congolais. Espoir au UDPCP, ça va pendant 37 ans de lutte. Congolais, lambda, ngaïna yo, n'a pas de plateau, tout le monde a une querelle politique. Une guerre à correspondance entre institutions.
cour institution judiciaire et comme le parlement la ligne moto à moto yo parlement répond hier au kuna lobby maître nager à lobby non na aucun été à quel cour constitutionnel côté moni Félix la Kabila il se donne des hypercutes politiques et dans tout cela c'est le peuple qui perd, c'est le peuple qui est en difficulté. D'accord. C'est là où j'ai toujours dit, encore, je réitère ce que j'ai toujours dit, depuis que Ndeko Tshisekedi a zoa a prêté serment, coalition OYO FCC 4, ils allaient coalition Moko contre nature, incestueux. OYO, pour la durée à 2023, et qu'on est d'accord jamais Congolais, Congolais a espéré qu'à jamais la coalition OYO, OYO, OTOZO, OYO, Joramboka. Après Vézali, il y a un bateau qui est pour Genève. La Genève est pour Kuna, pour la Pindaï. Il y a un trahi, il y a un salaboué, il y a un salaboué, il y a un peuple. D'accord. Il y a un bango, il y a un boloko, il y a un jeremboka, il y a un accord na bango. Mais parce que vous dites, moutou moko, les autres sont aliens, les autres sont aliens. Mais toujours, il y a un bloco, il y a un chemin, le peuple a gagné. Et ça, quoi, c'est ma bête. Ok. Edmond Issouba. Merci beaucoup. Le pain passe de 200 à 300 francs. C'était prévisible que cela arrivera avec la situation économique du pays actuellement où vous faites face à une pandémie qui a frappé toute l'humanité et que vous avez des déficits de réserves d'échange. J'ai suivi le gouverneur de la banque en train de les déclarer. Et aussi la dépréciation de la monnaie, ça devait donc entraîner cette hausse des prix, bien qu'on a eu à maîtriser du côté carburant, mais du moins, ça devrait quand même connaître une flambée des prix. Mais je me demande, est-ce que c'était l'opportunité aussi de le faire? Parce que nous avons comme l'impression que le gouvernement est en train de livrer ses peuples à la mort. Parce que vous avez face à une population qui est pratiquement pris en étau, une population qui ne sait pas sortir pour aller exercer ses activités au centre-ville, principalement à Zando, où les entreprises sont fermées, il y a de cela depuis plus de deux mois plutôt. Mais vous infligez encore à cette population-là une augmentation des prix. Déjà que cette population-là n'a rien. Et vous augmentez. Donc, toujours faire face pour nous avons à Lingala, na owa bengi l'état moyini. Nous avons absolument. Je les salue d'ailleurs. Et l'état moyini wana musala nae ko luka. Je les salue. Ouais, ben il est là. C'est un acteur politique. Je crois que les acteurs politiques activent à une certaine mesure une communication s'ils voient le moment. Mais en ce qui concerne la population, le petit peuple, parce que et là d'abord ça nous sommes petit peuple là et parce que ceux qui sont nous sommes deux souffrants donc nous avons vraiment la carte il y a petit peuple voilà. Donc nous répétons ce que nous voyons dans notre société qui n'est pas différent de nos vies et en haut les lots ils allaient participer mawa que pouvoir oyo a boy koyo que la petit peuple mawa peut indien à liwa d'accord oyo ça déjà dans liwa épidémie na kanda yaba misala nyonso bakangi na confinement. Eric. Oui, moi je constate que nous sommes déjà ce que moi je qualifie déjà dans la chronique d'un échec programmé du quinquennat de Félix. Ça veut dire que je n'attends plus rien de ces 5 ans. Je ne suis pas d'accord quand il dit la crise actuelle, l'augmentation du pain, on prend prétexte du coronavirus. Non, bien avec coronavirus, le Congo était déjà en récession. Parce que depuis que M. Tshilombo est au pouvoir, il y a une très mauvaise gestion des finances publiques. Moi j'ai tous les rapports où les Congos, où les institutions consomment plus qu'on ne mobilise. D'ailleurs, vous avez vu les rapports, vous avez vu les derniers rapports du service technique du ministère du budget, où on a démontré clairement le personnel politique à la présidence, c'est 35 millions. C'est 35 millions de dollars, ça coûte au trésor public. Donc nous avons ici en face d'une population appauvrie, un pouvoir. Ajoutez à cela les députés qui ont demandé qu'on leur augmente. Non seulement les députés, parce que ça. J'ai dit que avant d'arriver. Si c'est Délice et Sangaré qu'on sort. Hein. Ah oui, Délice et Sangaré aussi.
Donc, il faut pas... Non, c'est des mensonges. Délice et Sanga, c'est le seul député qui a renoncé à ses émoluments d'avril jusqu'à décembre pour soutenir. Et Mouyemba a confirmé cela. D'accord. Donc ne parlons pas des individus. C'est Sanga fait exception. Si nous avons 15 personnes comme c'est Sanga, les Congo ne sera pas dans les soviets seront sous-traités par le FCC. Bon, soit. Il faut apporter des preuves. Délice Sanga, il critique les pouvoirs quand il faut critiquer. D'accord. Il soutient. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans les radicalismes comme l'IDPS qui combattait Kabila sans avoir une alternative. Ils sont au pouvoir, ils se comportent comme s'ils étaient à l'opposition. Oh. Mais ici, le vrai problème, c'est cette injustice sociale. On ne peut pas comprendre dans un pays moins d'1% des Congolais qui se trouvent dans les institutions. Les présidents et ses conseillers, les ministres et les conseillers, les députés et consorts consomment 70% du budget national. Presque tout, hein? Tout. Nous, là, les 80 millions de Congolais ne consomment que... Dans une centaine de personnes consomment 70% du budget. Moins d'1% de la population congolaise. Et aujourd'hui, dans les derniers rapports, on a démontré que c'est l'institution président qui est l'institution la plus budgétivore, où on a pris tous les chômeurs de Paris, de Belgique, des États-Unis. On les met à la présidence. Et les salaires a coûté 37 millions. Ce n'est pas moi qui les parle. Les gens en Europe travaillent. Hein. Les gens ne sont pas de chômeurs en Europe. Non, tous les chômeurs. Il y a suffisamment du boulot en Europe. Non, ils ont trouvé du travail ici. Mais ce qui est quand même dramatique, je crois que le président Félix devait donner l'exemple de la justice sociale. D'accord. J'ai vu Hollande venir au pouvoir dire que moi je renonce, j'ai réduit mon salaire. Mais jusqu'à aujourd'hui, je rappelle au président de la République, pendant la campagne électorale, il nous avait dit que nous connaîtrions son salaire. Peter Tchani pouvait même me dire, c'est pas vous qui posez mes questions, je me pose la question, combien tous Félix Tshisekedi ? D'accord. D'où Jésus Bérédiou, le pain passe de 200 à 300 francs. C'est triste, quand la journée. On a connu des gouvernements qui sont tombés juste à cause du pain. Ça me rappelle 1983 avec la révolution du pain, où il y a eu ce mouvement, les gens étaient révoltés du fait de voir un pain qui coûtait à peu près à l'équivalent du franc congolais, 100 francs, augmenter ne serait-ce que des 120 francs. Oui, mais le Congolais aussi, les commandos, Jésus. Tout récemment, le Congolais les revendique. J'en viens, tout récemment, on l'a vu au Soudan du Sud, je crois, avec Omar Bechir, qui est tombé à cause de ça. Je crois que c'était en 2018. Et c'est à prendre trop au sérieux. La situation aujourd'hui est très préoccupante. Nous, on le vit. On le vit ici, on augmente les pains. Voilà, on le vit. Pour l'augmentation des pains, pendant ce temps, les députés demandent... Je crois que les amis ont parlé, et je crois Edmond, c'est qu'il a voulu dire ici, il a voulu parler de la récession, c'est vrai, avec la Covid-19, la récession, les entreprises ne produisent pas, etc., tout est bloqué. Mais il y a quand même contraste autour de ça. Moi, j'ai l'impression que la misère des Congolais aujourd'hui, des petits peuples aujourd'hui dont on parle, est commandité et prémédité par certains responsables, ceux qui dirigent le pays. Je prends l'exemple de Vital Kamerhe. Vous voyez, aujourd'hui, on l'a condamné pour une affaire de 50 millions, 48 millions de dollars qui se sont volatilisés. Mmh. Il y a des gens qui se distribuent des 1 million, 10 millions, comme ça, 20 millions, etc. Avec des Jamal, alors avec des les problèmes fondamentaux des Congolais ne sont pas résolus. Pendant que nous parlons ici, et s'il vous plaît, j'aimerais épingler cela, je vais terminer par là. Pendant que nous sommes en train de faire cette émission, et vous savez qu'il y a une initiative des députés. Heureusement pour nous, aujourd'hui, les documents fuitent, qui réclament encore 2 000 $ sur leurs émoluments. C'est grave. Hein? Aujourd'hui, moi, j'ai suivi un monsieur dans une chaîne de télévision, une émission Lingala. On lui pose cette question, il dit non. Faut que tu vois que c'est la main 10 000 dans un député dans la salle de Makassi. Tu vois un peu. Mais le journaliste, c'est pour ça charlatan. Voilà, donc c'est. Un monsieur qui s'occupe des câbles de courant de la SNEL, mais qui se retrouve à l'Assemblée nationale, qui se permet de tirer sur. Malheureusement, et vous voyez des gens sur ce plateau même, certains confrères citer les autres individus, des lycées, etc. Il se tue dans toutes les langues, sachant cette initiative-là. Il se tue, il ne s'est pas prononcé. Il ne faudrait pas mettre la poudre aux yeux du peuple congolais. On ne doit surtout pas renoncer aux lycées. Voilà. Lorsque vous dites, par exemple, j'ai donné mes émoluments, on n'a aucune preuve. Les Congolais n'ont aucune preuve de ce qui se passe. Voyez-vous. Donc c'est un peu compliqué, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Et j'aimerais aujourd'hui souligner que le malheur des Congolais ne commence pas avec Félix Tshisekedi, comme l'a dit si bien Eric Wemba et les autres confrères. On a connu 18 années des vers avec Joseph Kabila, c'était chaque jour où on assistait à ces augmentations et de manière perpétuelle. Mais malheureusement, aujourd'hui, Félix, la situation va de mal en pire. Oui, je ne dédouane pas Félix non plus, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses à faire, mais il ne faudrait pas tout mettre sur la tête de Félix seulement. D'accord. Il travaille sur ça. Malheureusement, je constate aujourd'hui Jeannette Kabila qui passe à la télévision, qui veut se faire défenseur des militaires, etc. Mais où était-elle pendant tout ce temps? Pendant les 18 ans où son jumeau était au pouvoir,
Où était-elle? Jeannette Kabila, plus, mal. Voilà. Mal. Oui, moi, j'aurais voulu elle voir. J'aurais voulu voir ces SOS pendant que Kabila était au pouvoir. Mais aujourd'hui, on comprend que c'est de l'hypocrisie. Il ne faudrait pas faire de la misère des Congolais, du populisme pour des calculs politiques. D'accord. Jeannette Kabila, même si son souci à ce qu'on a la tête pour les policiers, les militaires, mais il faut que je suis bien. Il souci, ma casse. Voilà. D'où Jésus Bérédou a lancé ce pic. La situation est chaotique parce que les gens détournent. Et puisqu'il y a détournement, le président de la République a voulu frapper fort. Raison pour laquelle, du jamais vu dans ce pays, le directeur de cabinet du président de la République, devant la justice, est après condamné. 15 ans de servitude pénale. Peut-être les gens ne comprennent pas. 15 ans de servitude pénale, Alexis. Bah, quand on a bolloré pendant 15 ans, il faut ajouter 20 ans de travaux forcés. Tous les comptes cités là, les comptes d'Amida, de Massaro, de Soraya, je vais d'abord rectifier parce que j'entends ça souvent. Le président de la République, son directeur de cabinet, c'est non, c'est la première fois dans l'histoire politique du Congo. Mais c'est aussi la première fois dans l'histoire politique du Congo. Un président qui arrive en fonction donne à son directeur de cabinet un pouvoir aussi large. Simplement parce que Kamer l'a beaucoup aidé, parce que Félix Tshisekedi vient au pouvoir. Dans les passés, il n'avait même pas géré une commune. Il avait besoin d'un grand baobab comme Kamer et pour lui montrer comment fonctionne l'État. C'est comme ça. Mais c'était une erreur politique. C'est comme ça que dans les détournements, dans l'échec du programme des 100 jours, sa responsabilité politique est engagée. Pourquoi il a donné à son directeur de cabinet un pouvoir aussi large? Même Mobutu ne l'avait pas donné à Nimi Maïdiki. Même Kabila ne l'avait pas donné. Mais il ne savait pas que son directeur de cabinet va détourner. Il assume sa responsabilité. Moi, je ne suis pas venu ici pour défendre les détournements des Kamer ou quoi. Nous avons tous suivi les procès aujourd'hui. Je milite. J'ai vu les plus grands criminels de ce monde qui s'appellent Saddam Hussein. Quand son procès n'a pas été équitable, les voix se sont levées pour condamner les caractères staliniens de ces procès. Nous venons d'assister aujourd'hui, je suis dessus. Et ces procès a eu comme effet négatif de ternir davantage l'image de la République. En quoi? Oui, parce que ces procès étaient à la fois staliniens, où nous avons oui, même les temps qu'on a passé, c'est comme si les verdicts, comme à l'époque de Kabila, moi j'ai assisté au procès de Franck Diongo, nous étions dans la salle, les juges étaient en délibéré, mais une chaîne de télévision annonçait déjà que Franck est condamné à 5 ans de prison. C'est la même chose. La chaîne Télé 50. La telle chaîne. Aujourd'hui, c'était pratiquement la même chose. C'est-à-dire que c'était le verdict qui est venu. Il y avait déjà une chaîne qui avait annoncé qu'il va être condamné, Kamer va être condamné 20 ans. Lui-même le savait, donc c'est-à-dire que c'était quelque chose de planifié. Donc Kamer, même si vous le pensez qu'il est criminel, il méritait. Dans un état de droit, je crois que même un criminel mérite un procès équitable. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Rekil, j'ai assisté à l'époque de Kabila au procès Ouanga, les plus grands dictateurs que nous avons combattus dans la rue avec Félix Tshisekedi. Il y a eu un procès. La loi est claire, quand on soulève une exception des constitutionnels, on s'y reçoit. Et les avocats de Kamer ont soulevé une exception de constitutionnalité pour déclarer les tribunaux la question incompétent pour statuer sur l'affaire Kamer. On a passé outre. Moi, je vous accuse, Peter Tshiani, que votre tribunal n'est pas compétent pour me juger. Il y a inconstitutionnalité. Allons à la Cour constitutionnelle. Toi, tu deviens jugé parti pour dire que non, ces moyens-là, je ne les prends pas en compte. C'était un problème. Mais la Cour constitutionnelle aussi s'est prononcée. Hein. Non, la Cour constitutionnelle, parce qu'on l'a saisie. Moi, je parle dans les déroulements du procès. Vital Kamer et ses avocats, j'avais déjà parlé de l'inconstitutionnalité. D'accord. La Cour a passé outre. Mais pour vous, le procès n'était pas équitable. Parce que l'article 162 de la Constitution est clair. D'accord. Quand on soulève une exception d'inconstitutionnalité, on arrête. D'accord. Donc, le procès n'a pas été équitable. Sur ces points-là, Kabila fait pire que Félix fait pire que Kabila. On va je vais dire pour conclure, parce qu'il dit que les galères de Kabila, je reconnais, nous l'avons combattu. Mais j'ai dit que si nous avons souffert de la malaria avec Kabila, maintenant c'est la peste avec Félix Tshisekedi. Entre la malaria et la peste, il faut choisir le moindre mal. Donc si il faut revenir à Kabila. Si Jeannette Kabila part, il faut revenir, il faut à, pas revenir à Kabila. Non, si, tu as dit entre la peste et la malaria, il faut choisir le moindre mal. Il faut choisir le moindre mal. Donc, si on avait vraiment qu'un choix. Il faut revenir à Kabila. Mais je pense qu'il y a mieux que Kabila Tshisekedi dans ce pays. Non, si il fallait revenir. Faut revenir à Kabila. Si les références, c'est Félix Tshisekedi, Kabila est meilleur. Mais je suis conscient et convaincu qu'il y a mieux que Kabila Tshisekedi. Beaucoup de Congolais vont tomber sur les pommes s'il faut revenir avec Kabila. Non, on ne va pas revenir à lui. Mais malheureusement, Félix ne fait pas mieux que lui. C'est ce qui nous contredit. Yves Bouya. Ben oui, moi, je ne veux plus rentrer dans les débats je n'ai plus faire du juridisme. Mais que penses-tu du verdict? Non, ben oui, c'était, en fait, tu sais, moi, j'avais déjà
vu ça de loin que Kamere allait être condamné. Ça s'est senti, c'était palpable. C'est arrivé. Je vois que maintenant Kamere doit maintenant penser à autre chose. Avant que je ne revienne, j'aimerais parler un peu de cette affaire des 100 jours. Donc, je vais un peu paraphraser Rikwemba. Donc, programme 100 jours, oui, nous sommes d'accord. On a vu le président de la République lancer cela en pompe. Il a convié tous les membres du gouvernement, il a convié son staff, il a convié son cabinet. C'est le président de la République qui a pondu ces projets des 100 jours. Oui. Il a mis les gens en action. Il a confié cette responsabilité à son directeur de cabinet. Ici, dans un média ici international, on a vu un acteur politique de la Mouka dire que les présidents de la République avaient été cités, les Dirkab avaient, les présidents Kamere avaient cité 127 fois les présidents de la République. Et c'est quand même très important. Les présidents de la République nous prend l'état des droits. Les présidents de la République veulent la bonne gouvernance. Ils veulent une justice qui n'est pas aux ordres. Oui, bravo. C'est une première, nous disons ici. Bravo qu'on voie les directeurs du cabinet du président de la République répondre, déférer devant les cours et tribunaux, répondre, même condamner. Mais son Dirkab l'a cité 127 fois. Ce n'est pas moi qui ai compté. C'est M. Pressepengue qui a compté. 127 fois. Alors, comme le président de la République ici nous prend l'état des droits, qu'il nous dise, lui qui prend la transparence, qu'il nous dise à quel niveau il a été cité, il a été informé des dépenses orchestrées, soit effectuées par son directeur de cabinet pour qu'aujourd'hui, qu'on établisse les responsabilités. C'est aussi ça la bonne gouvernance. Le directeur dit, oui, j'ai agi sur instruction, Monsieur le Président, même pas par lui, mais même par ses canons, qu'il nous dise, oui, je prends ça, mais les 57 millions de mon Dirkab, il est dit, oui, il a agi sur instruction de moi, mais j'ai été informé qu'il est ça. Qu'on sache quand même, le président de la République, Oyoyo, Kamere Ayimbati. Je relance, mais est-ce que c'est pas pédagogiquement une bonne chose pour les autres de voir qu'aujourd'hui, il y a des procès, des condamnations, ce qui reste maintenant. Quand j'ai dit que ça l'était, comme pour Bangui, ça. Est-ce que pédagogiquement, Félix n'a pas réussi à passer un pédagogiquement, nous disons bravo. C'est les fonds de la République, les contribuables congolais qui a été, comme la justice a condamné, qui a été dilapidé, on dit bravo. Mais je te rétorque aussi en te disant que non, ton ligné comme Singama Tembele. Ah. Jusque-là, on ne voit que Félix bouffait ses alliés à lui. Il ne bouffe que ses propres alliés. Mais où est ce Félix dans les cas du FCC? On ne les voit pas, on ne les sent pas. On a l'affaire Bukanga Lonzo. Matata Pogne aujourd'hui, 200 millions. Sénateur et tout qu'on sort. On a l'affaire Albert Yumaji, 200 millions. Nous avons l'affaire FPI, les Minakou, les Minakou cités, son papa, le King Moulumba. Mais on ne voit que Félix. Nous avons l'affaire du Sénat, 4 millions. On ne voit que Félix activer son sort sur ses propres alliés. Moi, j'ai dit bravo, c'est une première. Mais on veut voir aussi demain après demain. Il y a une plainte contre Kabila. Moukouna a déposé une plainte contre Kabila ici. Où en sommes cette plainte? État des droits. Moukouna, je sais que quelqu'un va citer. Sur ce plateau, je vois quelqu'un déjà ici nous faire des éloges. Il nous le fera peut-être quand il aura la parole de cet état des droits. Mais Moukouna a déposé une plainte contre Kabila. Où en sommes-nous de cette plainte? Madame Bijougoya a déposé une plainte contre M. Tambwe Mwamba. Où en sommes-nous? C'est là où j'ai dit que Félix, jusqu'à présent, il reste et demeure partisan. Là, j'ai clos le débat. Maintenant, Kamere est condamné. Maintenant, c'est à lui de voir comment tenir son parti. C'est un politique. Moi, j'ai étudié en journalisme. Un politique meurt, c'est quand on le fout dans une tombe, dans un cercueil. Quand il respire. Quand il respire, il peut rebondir, à tout moment. Donc, c'est à Kamere de comprendre, de voir. Bon, je suis là, on m'a condamné. L'UNC a des grands hommes. Comment l'UNC va fonctionner? Comment est-ce qu'il va évoluer? Il y a quand même le docteur Sélé Mba qui sont là. Oui, il y a des jugeantes, il y a des personnes ressources à l'UNC. Est-ce que c'est à Kamere de voir le fonctionnement de son parti à la suite de cette condamnation? J'ai vu, il a déjà donné un mandat spécial à Aimé Bougie. Il va voir
comment est-ce qu'il doit se projeter dans la perspective 2023. Il doit maintenant voir est-ce que Félix voudra-t-il continuer avec un partenaire qui est emprisonné. Donc, on a vu ça. Et puis, de deux, on sait qu'on arrête des leaders politiques ici. Comment est-ce que les partis finissent? On a vu ça avec Jean-Pierre Bemba. 10 ans au NUF à la CPI. C'est sûr que l'UNC, les MS a connu des départs. Les gens qui ont cru, ils sont restés. Mais c'est sûr qu'avec l'UNC, il y a des gens quand même. Il semble déjà que Bodo Maïo budget est devenu tantôt. C'est ça que j'ai dit. Il y a des gens qui vont dire les présidents condamnés, 20 ans, 15 années de servitude pénale. Il est inéligible, je crois, pendant 10 années. Il y aura certes des départs. Les gens vont claquer des portes. Les gens ne vont pas s'y porter. Mais c'est à Caméré, vous devez voir comment maintenir et lancer les partis dans les alliances, dans la perspective 2023. Et ça, c'est très important. Est-ce que l'état de droit n'est pas dit aujourd'hui avec ce procès? Est-ce que ce n'est pas une nouvelle ère qu'on est en train d'augurer là et de voir avec Fatih? Je fais les études gréco-latines. Il y a un adage latin qui dit, je le traduis en français, la justice dort mais ne meurt jamais. La justice congolaise a longtemps endormi, pendant longtemps, depuis Mobutu, 18 années Kabila. Et aujourd'hui, finalement, nous sommes en train de voir notre justice se réveiller. La justice dormait, la justice n'était pas morte. J'aimerais répondre implicitement à Yves Bouya pour dire, nous sommes tellement habitués à vivre dans un état bananier, maintenant que nous avons une première expérience d'un État qui se veut de droit. C'est une première expérience. On a du mal à les comprendre. C'est ça le problème. On dit ici que le procès Caméré était un procès stalinien, je ne sais même pas, stalinien, etc. En référence au régime de Staline. Gloire à Dieu, ce procès était en direct. Gloire à Dieu, ce procès était en direct. On a tous suivi comment est-ce que Caméré lui-même a eu du mal à dire aux Congolais, puisqu'il en avait l'occasion, que ce que j'ai fait, c'est le chef qui l'a dit, pièce contre pièce, voici les annotations. Il a promis les annotations au juge. Il a dit au juge, j'ai les annotations du chef de l'État. Moi, j'attendais fermement ces annotations. Mais on n'a pas aussi clairement vu. Justement. Sa mère a pris l'argent. Non, s'il vous plaît, j'en viens. Ça quitté, c'est pas j'en viens, s'il vous plaît. J'en viens. Non, si on a pas vu. Plutôt de nous amener les annotations, Caméra nous amène un discours du chef de l'État qu'on a tous suivi. Où le chef... Une vidéo. Ça dit que c'était du théâtre. Il avait l'occasion. On ne va pas me dire que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait braqué une arme sur Caméra pour ne rien dire. Pour quelle raison? Il disait au juge qu'il est là, il joue sa carrière politique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément. Vous savez, je ne vais pas faire du juridisme ici, comme on l'a dit Yves Bouya. Mais nous sommes journalistes, nous analysons, nous réfléchissons. Les détournements n'est pas à confondre avec les vols. Où j'ai mon téléphone ici, à l'issue de l'émission, Yves Bouya, non, je prends Eric Wemba qui a l'habitude de se tirer des histoires, il prend mon téléphone, il met dans sa poche, et quand je l'appréhende, il dit non, bon, ça je blague, ça c'est pour blaguer, mon cher ami. Sois calme, je sais que tu es un monsieur un peu honnête. Non, les téléspectateurs risquent de courir. Voilà, donc ça dit, on le poursuit, on trouve le téléphone dans la poche d'Eric Wemba. Alors, lorsqu'on parle, s'il vous plaît, lorsqu'on parle des détournements, s'il vous plaît, oh là là, s'il vous plaît, vous m'embrouillez quand je parle. Mais lorsqu'on parle des détournements, Peter Tsiani, le détournement, c'est que l'argent peut ou n'est pas s'y retrouver entre tes mains. Mais à travers ta famille, tes cousins, etc. Ta femme. On l'a vu avec Caméré. Jamal a reçu l'argent, les 57 millions, dans la fourchette de fin 2000 mars. Fin mars 2019 à fin avril 2019. Et dans cette fourchette-là, Caméré s'est tapé 7 parcelles. À travers Soraya, à travers Massaro, à travers Abida, etc. Alors, dans cette fourchette-là, 800 000 voilà. Ça, c'est le premier élément. 800 000 des cadeaux dans les comptes. Et voilà, ça, c'est le premier élément. Mais le deuxième élément, on vous dit clairement, il n'y a pas eu un contrat, un avenant. Sur base de quoi les Libanais, a reçu les 57 millions au lieu de 26 millions. Le contrat initial, c'était les 26 millions avec Bitakwira. Oui. Le directeur AI, général AI de l'autorité des marchés publics, vous a clairement expliqué. Il dit, effectivement, on m'a proposé un avenant, mais j'ai renvoyé à la présidence. J'ai posé certains nombres d'éléments et j'attendais la réponse que je n'ai rien reçu jusqu'aujourd'hui. Et j'apprends comme tout le monde que les 57 millions ont été déboursés. Donc la procédure de gré à gré a été biaisée pour des fins
C'est l'argent de l'État. On est allé même jusqu'à puiser dans la réserve, pire. Et ce n'était pas l'instruction du chef de l'État qui avait demandé à ce que les marchés passent de gré à gré par des avantages. Tout ça, les chefs de l'État. Alors, comment est-ce qu'on va nous dire, s'il vous plaît? Comment est-ce qu'on va nous dire, les jeunes que nous sommes, s'il vous plaît, comment est-ce que les jeunes journalistes que nous sommes viendront ici pour dire que c'est un procès stalinien et qu'il n'y a pas de détournement et que c'est un procès politique? Non! C'est l'argent des Congolais. On a commencé par le décrire ici. C'est quand même contradictoire venir décrire du fait que le pain augmente et soutenir quelqu'un qui a détourné, je me permets de le dire, parce que la justice a rendu son verdict, qui a détourné 57 millions, qui a fait des Massaro millionnaires aujourd'hui, qui a fait... On l'a vu avec des jeans, c'est terrible. Avec des voitures. Alors c'est révoltant. Ça, il faut le savoir. Les Congolais qui nous regardent, il faut qu'on les prenne au sérieux. Il n'y a rien de politique là-dessus. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a demandé à Caméré d'aller procéder par un contrat de gré à gré sans pour autant qu'on ait l'avenant. Donc d'accord, je crois que c'est plus ou moins clair à ces des choses. Bon. Ce que j'aimerais dire sur l'avenir de Vital Caméré, et comme vous venez de le dire, c'est vrai, Caméré est condamné, il est en prison, mais pour quel motif est-il en prison? L'a-t-on arrêté comme on a arrêté Diomi Ndongala? L'a-t-on arrêté comme on a arrêté... Non, non, s'il vous plaît. Pire, hein, c'était pour viol. Hein. Bon, s'il vous plaît, l'a-t-on arrêté je vais tirer l'exemple de Diomi Ndongala comme Diongo. Diongo. Non. Vous voulez parler de Diongo? On l'a arrêté pour détournement. Aïbi Mbongo est à l'État. Ce qui a imba libosso à Kota Boloko, Aïbi, à Koti Boloko pour Aïbi. Mais il est sorti par la petite porte de l'histoire. Il a raté l'occasion. Et on dit que 10 ans après ça peut être... Non, il a raté l'occasion d'être grand dans ce pays. Il a raté l'occasion, puisque Makangé pour la Moïbi. C'est ainsi que j'aimerais dire, aujourd'hui, la boulimie de Caméré l'a amené où il est aujourd'hui. La boulimie de Caméré. Le Koso. Oh. C'est la boulimie. Et d'accord, je crois, moi je vous dis, je peux même mettre ma main à couper sur ce plateau, Caméré ne va pas rompre la coalition UDPS, UNC et UDPS. Pourquoi? Parce que Caméré n'est pas des intérêts pécuniaires. Il va rester même en prison. Il a fait un mandat spécial. Il va garder la coalition parce qu'il sait qu'à travers cette coalition, il a des députés, des ministres au sein du gouvernement. Il a récemment, il vient d'y avoir des mandataires. Il a même mandaté quelques alliés de l'UNC. Il va rester en prison parce qu'il aura besoin d'argent existé politiquement. Il va garder cet argent. D'accord. L'avenir des Camerounais, même en 2023, les Congolais ne sont pas naïfs. On ne peut pas laisser quelqu'un. Qui a, heureusement que la justice a arrêté cette hémorragie bien avant. Ok. Sinon, ça allait être pire dans 5 ans. D'accord. Edmond Izouba, ça allait être pire dans 5 ans si on n'arrêtait pas Caméré avec sa boulimie. Non, vous savez, cette histoire de Caméré, les gens n'ont rien compris. Parce que on accuse Caméré. Moi, je suis un intellectuel. Je ne peux pas ouvrir ma bouche à accuser quelqu'un tant que de moi-même, je n'ai aucune preuve. Même pour nous, les journalistes, quand on ouvre la bouche pour parler ou pour commenter sur quelqu'un, je pense que nous devons réunir un certain nombre de preuves. Je m'en tiens. Mais vous avez... Non, voilà. D'où Jésus, tu as parlé. D'où Jésus, c'est Edmond qui a la parole. Ouais. Calme-toi. J'ai dit, logiquement, on devait avoir la preuve. Donc, sinon... Même le juge ne prononce pas une parole d'évangile. C'est contestable. La raison pour laquelle les avocats vont même en appel. J'ai dit aussi que le procès ici ressemble à tous les procès politiques. Parce qu'il y avait toutes les caractéristiques politiques réunies. D'abord, c'est une décision du Conseil des ministres qui demande à ce qu'on enquête sur ce procès de 100 jours. Parmi les personnes qu'on voit arrêter, c'est Vital Caméré. Et nous savons qui siège au Conseil des ministres. Il y a le président de la République et ses ministres. On enquête. C'est une décision politique que le parquet, que les instances judiciaires doivent exécuter. Vous avez vu la célérité. Ça n'a pas changé de chose. La célérité, le goût de terminer, l'immédiateté. Vous avez les juges qui pouvaient commencer le procès de 9h jusqu'à X temps. Parce que son souci était de terminer le même jour. Et terminé. Et pour lui, s'il fallait terminer, même au niveau de la plaidoirie, attendre, ça allait arriver. Vous avez le rejet des remises en liberté provisoire, ça, on en a vu dans tous les procès. Vous avez le meurtre du juge Yanni.
Je parle d'un meurtre parce que vous avez suivi le ministre de la Justice qui n'est ni expert en santé, ni donné même des qualificatifs qu'un médecin ne peut pas oser. Et lui, il s'est assumé en donnant tous ses éclairages. Un problème encéphalo-crânien, moi j'ai rien. Il ajoute dans le traumatisme pour nous dire qu'il est, il serait mort de traumatisme crânien avec la coagulation du sang au niveau du crâne. On lui aurait donné des coups. De coups. Donc Vital Kamerhe est sorti la nuit, allait donner le coup et tout ça. Donc c'était Kamerhe. Du moins, je vous donne les caractéristiques. Et vous avez l'insuffisance de preuves. On a parlé des 48 millions, mais les juges lui-même oublient qu'il a été retracé l'argent là. Tout l'argent, 57 millions de Samibo, retracé dans son compte. 10 millions envoyés ceci, 20 millions envoyés là-bas, 15 millions. Aucun retracement pointe le nom de Vital Kamerhe, ni Amida, ni à l'autre. Quelle légèreté pour ces dossiers suivis mondialement. Maintenant, pour ceux qui ne je ne sais pas comment est-ce qu'on va même arriver là-bas pour dire voilà, pour Vital Kamerhe, c'est fini. Parce que le juge a lu in extenso la réquisition du ministère public. Il n'a rien rejeté. Il a pris tout ça en considération. Mais il a simplement rejeté les irrégularités soulevées par les avocats au cours de la plaidoirie. Il a de bonnes foi dit ou de mauvaise foi. Tel monsieur de l'UNC Walungu, proche de Vital Kamerhe. Pourtant, il a cité Peter Kazali et tous les membres de l'UFS qui se sont défilés là-bas. Sans ne serait-ce que dire qu'ils sont de l'UDPS, sans ne serait-ce que dire qu'ils sont d'un tel coin de la République. Il cite nommément, il va plus loin. C'est la conséquence de lire un verdict qui n'a pas été écrit par soi. Il doit être honnête, il tremblait comme une feuille. Nous tous, nous avons vu comment il était en train de trembler. Je suis en train de venir. On dit ici, il faut consacrer. Peter, je termine. Peter, je te remercie. Edmond, calme-toi. Peter, je t'ai dit ceci. Alors, je te relance. On dit ici. Je te relance. On dit ici, Vital est fini. On est dans les métiers. Bon, ok. Lorsque tu Peter, vois Peter. Edmond, je te donne la parole. On est dans les métiers. Relance. Lorsque tu vois que l'invité est en train de monter, tu fais des relances pour apaiser l'invité. C'est ça dans le style de... Voilà. Alors, la petite question, c'est de savoir, quel est le côté positif de ce procès? Le côté positif d'un procès politique n'existe pas. Je vais vous indiquer. Vous savez, les gens peuvent se réjouir aujourd'hui faire la publicité des peines requises par Kamerhe. Kamerhe ne fera pas 20 ans en prison. Oh. Je vous dis, c'est un procès politique. La conséquence sera politique. Kamerhe sortira de cette prison. Oh. Parce que je vous dis, même s'il a volé l'argent du pays, il doit sortir. Mais Guillaume Ndonga a été condamné à combien? Lui qu'on a teinté, qu'on a accusé. Guillaume a violé. Il a fait combien de temps en prison? Il a, tu donnes l'exemple d'un violé. Je vous donne encore un cas. Je vous dis, cette histoire de Guillaume, tout le monde sait qu'on a monté. Edmond. Je vous dis encore. Edmond. Je vous dis, tu peux me laisser terminer? Sur le dossier Guillaume, il faut. Tu peux me laisser terminer? Si on parle comment t'as des dents. On a condamné Franck Diongo ici, je ne sais pas combien de prisons. Oh. Il a même pas fait 3 ans, s'il vous plaît, Peter. Par grâce présidentielle. Non, mais écoutez, je vous dis que la conséquence politique d'un procès politique, c'est un acte politique. Dans le procès était politique. Vital ne fera pas 20 ans qu'on vous trompe pas. Ça, c'est du bluff. Oh. Parce que. Comment comprendre qu'un directeur de cabinet a même plus de pouvoir que le président de la République et actionne, autorise même qu'on touche aux réserves? Ça, c'est l'économie du pays. C'est la situation économique du pays est touchée, secouée. Le président de la République n'autorise pas. Vous avez vu ça où? Attendez, il ne faut pas venir nous raconter. Et le directeur de la banque s'exécute. Et nulle part, j'ai aimé la sagesse du juge pour nous faire croire vraiment du procès politique. Nulle part il a cité les noms du président de la République. Pourtant, Kamerhe a dit qu'il agissait sur instruction. La vidéo qu'on a projetée, mon cher Peter Tiani, le président parlait des jeux. Jeux instruits. J'ai accordé aux militaires 3000 maisons. Nous sommes au mois de décembre 2019. Pendant que Samibo exécute les marchés, j'ai accordé. Je demande la régularisation de tous les documents de 100 jours
quand le président de la République demande la régularisation, il n'était pas au courant que la procédure était irrégulière. Peter Tiani, on veut aujourd'hui condamner Vital Kamerhe. Alors accordons-lui, parce que ça c'est la logique des choses, accordons-lui tous ses travaux de 100 jours. Parce que ça, c'est écœurant de voir qu'on est en train de poursuivre quelqu'un pour l'argent détourné. Quelles réalisations sont là, au camp Tchatchi? Un général de la garde républicaine affirme devant le juge. Il y a 211 maisons. Il y a 211 maisons. Que devant lui, il a entendu dans ses oreilles. Le président a instruit. Si nous, Jésus ne sait pas, le président instruit verbalement et sa signature revient au directeur de cabinet de remplir ce que le président dit. Et après, il fait rapport au président de la République. Il n'appartenait pas au juge de demander même les annotations. C'est le président qui l'a demandé d'aller chercher. Parce que les annotations. Parce que les annotations existent tout comme ça ne peut pas exister. Et des trois pour terminer, Vital est fini. Vous savez quand est-ce qu'on a commencé à attendre cette chanson-là de Vital est fini? C'est en 2019. Quand Vital est déchu. En 2009, du perchoir de l'Assemblée nationale, on dit qu'il est fini. Ce gars a fait un repli stratégique. Là, c'était pas du vol, s'il vous plaît, c'était plus grave que ça. C'était l'atteinte au chef de l'État. Oui, mais pour avoir dit quelque attendez, chose. Attendez, Peter, vrai. Attendez. Okay. On dit qu'il est fini. Il a fait la sabbatique une année, il revient en force. D'accord. Vital fait le dialogue de la cité de l'Union africaine. Avec Ojo. Il revient, on dit que c'est fini. Vital revient en force. Et vous avez vu, il a copté comme un enfant Félix Tshisekedi, qui avait déjà accepté, de battre campagne pour Martin Fayulu. Il amène à Nairobi signer des accords politiques, voilà. Et à Walungu, je crois qu'il a dit à Walungu dire, je t'ai dit à Walungu, c'était un procès contre Vital Kamerhe devant Félix Tshisekedi. On lui a reproché, monsieur Vital, en 2006, vous nous avez amené un candidat qu'on a élu comme président de la République. Regardez comment ta province est restée. En 2018, tu nous amènes celui de l'UDPS. Qu'est-ce que tu nous promets? Voilà, la prison était là pour avoir soutenu le candidat 20. Il sera condamné le 20 juin 2020 à une peine de 20 ans de prison. C'est ça l'histoire. Non, c'est pas toi, c'est moi qui donne la parole. Pardon. Je vais te donner la parole, mais il faut qu'il y ait quand même une réaction opposée. D'où Jésus, merci. D'une minute. Merci beaucoup, Peter Tiani. C'est quand même très grave. Politique. C'est très grave ce que dit Edmo. C'est malheureux pour ce pays lorsqu'on a des gens qui ne veulent pas voir la vérité ou la réalité en face. On nous parle du détournement. On parle du détournement, je le dis ici, on parle du vol. Je vous renvoie à Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn, c'était le candidat socialiste favori aux élections. Mais il y a eu un scandale sexuel. C'est toute sa carrière politique qui s'est écroulée. Vous savez comment on appelle ça? L'amour. C'est de l'opprobre que j'étais sur toi. Quand il s'agit de des infractions du genre détournement de l'argent des Congolais. Et vous dites sur ce plateau que Vital Kamerhe va rebondir en tant qu'animal politique. Quelqu'un qui vient de détourner 57 millions de Congolais. Mais là, c'est pratiquement insulter nos militaires. C'est pratique. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas moi qui ai condamné Vital Kamerhe. Je vous parle du verdict tombé aujourd'hui. 20 ans de prison, 10 ans de privation des droits de vote, etc. Et vous venez sur un plateau défendre un monsieur comme ça, où vous dites, c'est un animal politique. C'est très grave pour l'intellectuel congolais. Et surtout, ça sort de Moïse Ouba. Les réquisitoires du ministère public. Mais il n'y a pas contradiction. Le ministère public propose. Et c'est sur base des textes et des droits. Il n'invente rien. On ne parle pas juridique ici. Mais ensuite, il a étayé. Ce n'est pas qu'il dormait comme les élections de Corneille Nanga. On nous dit tel est élu dans les bas Congo dans telle circonscription sans nous dire combien il a eu. Non, mais là, c'est avec argument. Oui. Et il ne va pas inventer le droit, s'il vous plaît. Il ne va pas inventer le droit. Mais écoutez, nous sommes journalistes. Non, on ne l'a pas dit. Je suis en train de payer un tel domaine. Vous faites des raccordements frauduleux, soyez concentrés. Donc, ça dit aujourd'hui, la décision est motivée. D'accord. Ce n'est pas quelque chose qu'on a. Et puis, plus loin, Edmond Izoub a dit que Félix a été coopté. Ah bon? Félix a été coopté par qui? Par Vital. Par Vital Kamerhe.
Mais il y a beaucoup, le coach, le coach. Il y a beaucoup de contradictions. S'il vous plaît, vous savez, l'argument des mots vient tout droit des officines de l'UNC. Oh, et dans les officines de l'UNC, laissez-moi ou non, j'avance, non? Comme les vols, ça vient des capots. S'il vous plaît, tant qu'il est. Comment je parle? Laissez-le parler. Sécurisez-moi, s'il vous plaît. Laissez-le parler. Sécurisez-moi. Je peux parler. Allez-y. Dans les officines de l'UNC, on sait que Vital Kamerhe est coprésident de la République. On ne reconnaît pas Félix Tshisekedi, il est coprésident tout court. On sait qu'il y a un président, il y a un coprésident, Vital Kamerhe. Oh. Voilà pourquoi, à la présidence de la République, vous voyez, il y avait des contradictions au niveau des communications. Et c'est tout à fait normal, parce qu'à l'UNC, on n'arrivait pas à comprendre que Vital Kamerhe, qui est un parti politique, etc., soit directeur des cabinets. Tout part de là. Alors, Kamerhe s'est mis dans sa peau de coprésident de la République. Il y a eu une réunion en janvier, et bon, on ne le sait peut-être pas, à la présidence de la République, janvier 2020, où le chef de l'État, Félix Tshisekedi, nous sommes journalistes, j'ai eu des informations, a tapé les poings sur la table pour dire il y a des documents importants qui fuitent. Non seulement qui fuitent, qui n'arrivent pas sur ma table. Il y a des documents très importants qui n'arrivent pas sur ma table et j'apprends. Derrière tout ça, il y a des tournements, etc. C'était en janvier 2020. D'accord. Et lorsque le chef constate finalement qu'il y a toute cette magouille, il demande à la justice, c'était au Conseil des ministres, de fouiner là-dessus. D'accord. Mais ça commençait même par là. C'est pédagogique. Je termine par là. C'est pédagogique, ces procès, et il ne faut pas s'inquiéter. Cela ne veut pas, Félix vous dit, je ne vais pas fouiner dans le passé. Cela ne veut pas dire qu'il va se substituer à la justice. La justice va continuer à faire son travail, et aujourd'hui, on le verra demain, qu'il y a des grands, des caciques, d'accord, qui vont répondre devant la justice, c'est par rapport à l'argent de l'État. Alors, Eric, Edmond va dire un mot, comme ça nous allons clôturer avec Bouya. Il a posé une bonne question, les côtés positifs de ces procès. Edmond n'a pas trouvé, moi j'ai trouvé. Deux minutes. Et nous démontrer les dysfonctionnements au niveau du cabinet du président de la République, où il y a 399 agents fictifs qui ne font rien, qui touchent l'argent, les dysfonctionnements. Ça veut dire que les procès nous a démontré clairement que Félix Tshisekedi est très mal entouré. Mais justement, quand Beledou parle de l'état des droits, il faut faire attention. Je crois que pour parler de l'état des droits, il faut d'abord qu'il puisse avoir un état. Je ne sais pas si dans son village, il y a un poste de la police. C'est ça l'état. Donc, c'est-à-dire que Félix doit d'abord construire l'état avant de parler de l'état des droits. Moi, je trouve vraiment illogique de nous parler de l'état des droits là où il n'y a même pas un état. Donc, ça, on doit faire attention. Mais dans les procès Kamerhe, je constate, nous tous, nous les constatons quand même, les procès Kamerhe ressemblent un peu au procès de Jésus et de Socrate, où Kamerhe est condamné sans preuve. Les preuves qu'on donne là n'en étaient pas une. Vous voyez, Coco Kaoudi, je ne sais pas. Maître Coco Kaoudi. Oui, le maître à passer. Le bâtonnier. Le maître à passer de Beledou. Ah, nous en parlons. Ah bon? Oui, c'est son maître à passer parce que tout ce qu'il dit vient de Coco Kaoudi. Coco Kaoudi nous a parlé d'une maison en France, à Orgeval, d'Amid Achatir. On a été allé vérifier. On a constaté que cette maison a été achetée par Amid en 2012. Amid à l'époque n'était même pas avec Kamerhe. Il était avec Didi Kinoanya. Didi Kinoanya a reconnu. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a, il y a eu des soupçons de détournement. Mais dans les procès de l'OTAN, on ne nous a pas démontré si on a détourné ou pas. D'accord. Mais j'ai conclu pour dire les documents qui fuitent, on touche à la réserve de la République. Vous êtes chef de l'État, on touche à la réserve de la République, vous n'êtes pas informé. C'est très grave. C'est pourquoi j'ai dit si réellement il y a eu détournement, si réellement Vital Kamerhe a détourné, s'il n'a pas eu complicité, donc il y a une compétence au sommet de l'État. D'accord. Bouya, on termine par toi. Moi, j'évoque un peu l'aspect politique parce que de ces procès, les vrais problèmes, c'est la perspective 2023. Nous avons un Kabila qui est patron des... Nous avons Kabila qui est patron des institutions. Nous avons Félix Tshisekedi qui est à la tête de la République. Sans t'interrompre, Bouya, je ne sais pas si le président Gabi Chavani t'aime beaucoup, mais il nous a ajouté 5 minutes. Ah, merci. Donc, nous avons un président de la République, Joseph Kabila, qui est l'ayatollah de Kingakati, qui est patron des institutions. L'ayatollah de Kingakati. De Kingakati, qui est patron des institutions. Tshisekedi, qui est président de la République. Nous avons Kamerhe. Donc, c'est comme... j'analyse ça comme un trépied. C'est un pouvoir d'un trépied. Donc, Kabila, il est là. Tshisekedi là, Vital Kamerhe là. Je me plonge dans la perspective 2023. Donc, Kabila est en alliance avec Félix Tshisekedi, FCC Cash. Tshisekedi est en alliance avec Vital Kamerhe. Nous avons l'accord de Nairobi, Cash,
né chez les précieux ou Kenyatta, qui dit qu'en 2023, l'UNC doit, c'est un impératif quand tu lis l'accord, doit soutenir la candidature de l'UDPS. Bon, on est là, on voit Kabila. Vous savez, Kabila n'a jamais pu supporter Vital, la façon dont il a quitté l'Assemblée nationale. Il a fait des révélations qui ont toujours choqué Kabila. Et Kabila, nous sommes dans un terrain politique. Il y a un tableau des bons perspectives 2023. Kabila dit, le Cap Félix, mon partenaire, avec qui nous avions mis une coalition, nous gérons les institutions de la République. Les mêmes partenaires est en alliance avec Vital Kamerhe, et lui, mon partenaire Félix, doit respecter l'accord 2023. Et je me mets dans la tête de Kabila et il s'est dit, il faut trouver un schéma pour un peu essayer de mettre l'un ou X, Y en difficulté. Dans cette coalition, les maillots faibles, quand je dis la maillot faible, c'est, si tu comprends bien, c'est Vital Kamerhe. Pourquoi? Parce que sur le plan fonction, Vital Kamerhe, c'est un acteur politique, il a son poids politique. Vital Kamerhe est administratif, il est payé par l'État, il est directeur des cabinets, mais il n'exerce pas de hautes fonctions de la République. Quand Kabila Félix se rencontre, quand tu lui l'as communiqué à la fin, lui par caméra, les deux autres personnalités, c'est surtout qui gèrent les pays. Donc, on trouve mieux d'élaguer un allié, peut-être en combat, je ne confirme pas. En élaguant un allié, on reste à deux. Et à deux, on se met en 2023, on peut renforcer notre coalition. Bon, en 2023, ils vont partir ensemble. Hein. En 2023, c'était sûr. Kabila et Félix, c'est très sûr, on aura une coalition. Kabila avait contrôlé la CENI, pourquoi? C'est très sûr, en 2023, Kabila et Félix. Il veut contrôler la CENI en mettant le fameux Ronsan Malonda. C'est très sûr. Qui a été désavoué par l'église Kimbanguiste. On doit projeter cette Ronsan Malonda. Les Kimbanguistes ont dit qu'ils vont contrôler. On met Félix Vital des côtés. Kabila et Félix consolident leurs liens. Et ils vont remplir pour 2023. On met Vital de côté. On dit, bon, peut-être c'est le moindre mal. Peut-être la personne encombrante. On ne sait pas pourquoi, mais c'est ça. Et c'est là où on peut dire, je confirme pas, mais je fais des alertes avec les journalistes, on peut donner une connotation politique, une dose politique dans ces procès. Non, c'est un procès politique. Il y a une connotation politique. Les vrais schémas, maintenant, nous sommes en 2 à 3 ans de 2023. Les vrais schémas, c'est la perspective 2023. Donc, quand on voit... Donc, c'est par rapport à 2023 que Kamerhe a été... Oui. Donc, on touche... J'étais pas des alliances. 2023, Nairobi. 2023, Kabila Félix. Oui, mais avant de prendre le douche, j'ai dit qui s'impatiente là. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on veut une chose et son contraire, Yves Bouya? Oui. Personnellement, moi, je te suis beaucoup. Mmh. Tu prônes du changement, un état de droit. On veut voir ceux qui veulent être déférés devant la justice. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on condamne Kamerhe, on voit encore des gens qui ne sont pas contents? Finalement, il y a des gens qui se posent la question de savoir, mais le Congo a vu une chose et son contraire. On a vu des gens vouloir condamner Kamerhe. Et quand on le condamne, parce qu'on dit qu'on a volé, les gens commencent encore à se plaindre. Mais l'état de droit qu'on voulait, où la justice agisse, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. À l'entame de l'émission, j'étais d'accord pour ces procès. Parce que c'est l'argent des Congolais. Les gens ont dilapidé, ont pillé la République. Quand tu es avec Massao, quand tu soulèves pour ces Massao, oui, j'ai donné à Soraya, il en avait trop alors. Un jeune homme qui a même du mal à lire un bout de papier. Il en avait trop. Attention, c'est à l'avocat. Je ne sais pas comment tu vois Amida. Quand tu vois Amida, Amida t'a dit. Je ne sais pas comment tu vois Amida. C'est juridique, mais c'est la justice. J'ai récolté mes fonds. Ce monsieur qui les a difficilement. Les donations sont venues du mariage. Quand tu vois Soraya, non, j'étais surprise. Donc, tu vois, il y a une famille, il y a des gens qui ont dilapidé... La famille Kardashian, là. Oui, mais qui ont pillé la République. Tout ça s'énerve. À une année. Voir Massaro avec un million de dollars comme ça. Il y a des gens, il y a une famille, il y a des gens, des individus, à une année de gestion de Félix, qui ont dilapidé la République, qui ont tué la République. Y compris dans les cas Félix. C'est compliqué. Donc, tous,
Je ne sais pas, mais c'est des gens, des individus qui ont pillé la République. Les idées qui nous parlent des changements. Je suis d'accord, j'applaudis, que c'est très normal, sur le plan pédagogique, c'est bien, c'est l'argent des contrôles congolais. Mais je me lance dans l'entretemps, dans une perspective 2023, où je te soulève, je te relève, un peu ici, la dose politique. La dose politique. Il y a des gens, il y a des candidats. Oui, c'est un pouvoir placé sur base d'un trépied. Nous sommes journalistes. Un trépied, c'est trois manches. Trois manches, oui. Alors, tu vois, Kabila, Félix, Vital. Vital. Alors, maintenant, il faut trouver maintenant une astuce pour éliminer les plus faibles. Qui a bouffé Vital, Kabila ou Félix? Ça peut être les deux. D'accord, on a compris. D'où Jésus Bérédu, oui. Tu as deux minutes, on termine. Tout à fait. Alors, moi, vous savez, Kamer, il a lui-même dit qu'il était intellectuel. Il a réussi à imposer les débats qu'il voulait. Cette histoire des procès politiques a commencé avec Kamer lui-même. D'ailleurs, Kamer, il savait qu'il allait perdre le procès et gagner dans l'opinion. C'est ce qu'il voulait. Mais reconnaissons que Kamer a quand même gagné. Laissez-moi évoluer. C'est-à-dire, Kamer ne s'adressait pas au juge lors du procès. Il s'adressait plutôt à la population. Il sait, il est intellectuel, il sait que dans un procès pénal, c'est la conviction du juge. On veut convaincre les juges sur base des preuves, sur base d'éléments. Mais il disait toujours... Prenez la caméra, regardez ici. Donc, il le savait. Il est dans les firmaments, dans les stratosphères. Il est en train de voir la perspective 2023. Caméra a réussi à l'amener dans les bateaux. Procès politique. Ça n'a rien à voir avec un procès politique. Mais c'est je pose des questions. À dompter l'opinion. Je pose des questions. Victimiser. S'il vous plaît. Caméra avait s'est victimisé dans tout et pour tout. Il a réussi. Et... Parce oui, mais bah bon, il a réussi. Il a réussi auprès de ceux qui le pensent. Mais moi, je pense qu'il s'est victimisé un peu trop, un peu de trop dans la mesure où. Comment expliquer? Vous dites qu'au début, l'UNC dit que c'est un procès politique, etc. L'UNC a attaqué l'UDPS. Et le jour où Kamer prend la parole en dernier, lui-même commence par dire « Ce n'est pas moi qui suis visé, c'est les chefs de l'État. » Il est visé par qui? D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de contradictions autour de ça. Alors, voilà ce qu'il fait très mal. Je termine par là. On dit que Kamer a détourné 48 millions de dollars. Les gens veulent savoir ben, ça vient d'où. Les juges ont été clairs aujourd'hui. D'accord. Il dit clairement 8 millions de dollars. Depuis que Jamal a reçu les 57 millions de dollars, il n'y a que 8 millions de dollars qui ont été versés à la société Carmot, qui se trouve à Istanbul, pour à compte. Le total de la facture faisait 12 millions. Mais d'où sont passés les 49 millions de dollars? Jamal vous dit, j'ai envoyé à Liban, au Liban chez mon fils. Quand vous dites, vous avez envoyé en qualité de qui? Où est le problème? Où est le problème? Voyez-vous? Dans la fourchette, il y a 7 maisons qui ont été achetées. Quand vous posez la question à Massaro, il vous dit, non, moi j'étais pressé en train de partir. Je t'en on me lance là-bas, je dis ça, oh, c'est un peu la on a fouille. Fini. Ça n'a rien à voir avec on a fini. Quand même, c'est une arrivée pour 30 secondes. Quand on parle de Massaro, nous étions ensemble dans une entreprise criminelle. Quand on parle de Massaro, il faut aussi voir de l'autre côté. Parce que nous avons vu quand même un Kabound qui venait tout droit des Kamina aujourd'hui avec une grande concession avec Ngabo. Nous avons vu Augustin Kabouya qui était incapable de payer ses études à l'ISC. Bâtir une nouvelle bâtisse. Qui vous ne me contredira pas. D'accord. Nous avons vu de nouveaux riches ici. Merci. Moi, je pense qu'ici, nous devons être justes. Nous ne sommes pas venus soutenir les détournements. Mais dans un état de droit, même Saddam Hussein, même le plus criminel du monde a droit à un procès équitable. D'accord. Le procès que nous venons de suivre n'a pas été équitable. Merci. Ça fait que ternir l'image du Congo. C'est mon point de vue. S'il vous plaît, salutations spéciales à M. Teka Fernandez qui nous suit depuis l'Angola. C'est un clin d'œil signé le patron de Congo. Parlant de l'Angola. Le patron de Congweb, Gabi Chabanilisasi, qui te fait un clin d'œil, Monsieur Teka Fernandez, puisque vous êtes branché depuis l'Angola. Vanitatum et omnias vanitas. Vanité de vanité, tout est vanité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.